continuer avec la vidéo 4, c'est 0,3, c'est-à-dire puisqu'il y a 0 et quoi, il y avait 0,2, 0,3, ça c'est 0,3, donc la quatrième vidéo. Donc il y a les autres vidéos qui sont disponibles que je mettrai en ligne, on a déjà, ça c'est les 3 vidéos et la vidéo en cours, c'est celle que je suis en train de monter comme ça. Donc on va continuer, on va démarrer vite. On patiente, ça prend un peu de temps quoi, c'est un peu ça. Donc on va lancer notre logiciel, notre projet, on clique ici. On va aller étape par étape, on va pas se précipiter quoi, donc puisque c'est une zone limitante avec ce qu'on utilise HCAD. Donc vous voyez maintenant dans HCAD, que ce soit dans HCAD ou dans Revit, même dans AutoCAD, il suffit de se prendre DL seulement pour les lignes. Donc on va mettre ça ici. On va continuer, ça va venir s'arrêter ici. Et voilà. Donc, normalement, cela veut dire que je peux même copier encore. Hein. Ce n'est pas un problème. Je vais mettre ici. Donc, vous voyez, ici. Je copie. C'est au copier quoi. Donc apprenez à utiliser le de 15. 15, voilà. Donc je peux sélectionner. Je sélectionne un seulement, mais je vais dire, je vais venir dans cette DN. Je rentre ici, je mets fine, moyen, bon, à vous cacher. Et maintenant, vous pouvez appliquer les côtés dans ce donc, attention. Donc, cela veut dire qu'on ne voit pas quoi. Donc, même pareil ici aussi, DL. Bien ici, dedans. Ici. Donc, ça, on va prendre tout de suite là. Quelqu'un qui s'est ça. Ok, voilà. Donc vous avez vu, maintenant on a placé la porte, on a placé la fenêtre. Donc quand on va en droit de c'est. Vous voyez, maintenant on va essayer de faire le remblai à l'intérieur. Mais suivez très bien avec le remblai. Suivez très bien avec le remblai. Il y a une porte ici, il y a une fenêtre ici. Donc c'est ça, c'est page d'escalier. Okay. C'est notre page d'escalier. Si on va mettre l'escalier ici. Okay. Mais on avait dit, j'avais proposé de mettre l'escalier, utiliser cette chambre. Et comme ça, on va aller avec deux chambres. Mais on va voir si on va utiliser ça comme. Ici, c'est 4 mètres. Donc je peux attendez, détacher ça. Bon, c'est bon. Ok, donc on va mettre notre escalier ici. Donc on va pas enlever. Et plutôt, on va détacher et scinder, on va scinder. Il faut bien zoomer et cliquer ici et il va scinder. Donc, lui, il doit être à la même hauteur. Vous voyez, ici, on va l'appliquer. Et ce mur-là, je vais l'appliquer sur ce point-là. Donc, vous voyez. Donc, même
Je peux lui faire monter un fond. Donc, pour que la tête ne cogne pas, quoi. Donc, généralement, je la mets au même niveau que la poutre veut tomber, quoi. Donc, c'est. Vous voyez l'importance de ne pas déterminer la contrainte, la hauteur. La contrainte, c'est-à-dire qu'il va s'arrêter au niveau de l'étage. Donc, quand vous faites ça seulement, il ne va pas accepter ce genre de modifications. Il faut laisser librement faire ce que vous-même le manipulez pas. Okay? Voilà, c'est un peu ça. Donc, vous voyez, c'est acceptable. Voilà, donc, on va voir les formes. Donc, après, on va vous montrer comment faire les dessins, les décorations. On va voir formuler, changer les soumets. Des vues, par exemple, ça c'est acceptable. Ça c'est acceptable. On va en 2D. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir des chaussées R plus 1 et à l'étage R plus 1. Donc, moi je vais copier ici. Regardez, ouvrir des chaussées soit. Je ne vais pas copier le mur de plus. Maintenant, je maintiens CTRL pour ajouter les autres sélections. Ok, donc qu'est-ce que moi je vais faire? Il va avoir un petit souci ici. Hein. Donc, ça, on va mettre un terrasse ici, un balcon pour venir ce truc-là. Donc, peut-être, on va voir la position de l'escalier. Si on va mettre l'escalier à l'intérieur, accepter seulement qu'il y ait deux chambres, seulement quoi, deux chambres, salon, on va utiliser ça comme cuisine. Arriver en haut, on va voir là, puisque c'est la conception qui est difficile d'avoir. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais rentrer ici dans copier. Vous voyez, ici, je dis copier dans le presse-papier. Quand je clique ça, vous voyez, ça c'est grisé. Ça veut dire qu'il n'est pas activé. Donc, je vais dire copier. Donc, vous voyez, maintenant, je vous ai montré l'autre méthode. Je suis venu ici et je l'ai dit de coller. Maintenant, je vais venir au niveau. Étant ici aussi, hein, je peux le mettre étant ici en rez-de-chaussée. Je vais dire, je viens d'en coller là. Je vais tirer le tiroir. Donc, quand je vois, regardez, coller depuis le presse-papier, il va mettre ça sur place en même temps. Aligner sur les vues sélectionnées. Je clique une fois. Donc, je vais l'aligner sur quelle vue? Sur R plus 1. Si je veux ajouter encore, je maintiens CTRL. Vous voyez, je maintiens contrôle. Donc, si je ne maintiens pas contrôle, je sélectionne individuellement l'étage concerné. Je vais le copier ici. Donc, je dis OK. Je clique sur l'étage sélectionné et je dis OK. Donc, quand je vais à l'étage directement, je dois le revoir. Il est là. Donc, je le retrouve ici. Si je suis là, il est là. Ça, c'est rez-de-chaussée. Quand je viens ici, il est là. C'est pareil. Et si vous avez, quand je vais en 3D, voici, c'est collé. Voilà. Donc, vous voyez. Donc, regardez ici, quand vous avez ces murs-là, vous voyez l'intersection là. Voilà, je peux les attacher. C'est pas grave. Quand je veux voir que vraiment ça me dérange, je vais attacher. Ça, c'est R plus 1 maintenant. Donc, vous avez vu maintenant ce que j'ai fait. Voilà, donc c'est ici où on va corriger. Je pense bien qu'on va corriger un peu ici. Si on va amener un balcon ici et étant dans la terrasse, on vient dans le balcon, ça, on va utiliser un bureau ici. Okay? Donc, j'ai fini avec l'étage 2. Maintenant, je vais avec l'étage 1. Qu'est-ce que vous voyez? Bon, donc quand je viens au niveau de l'étage 2 et du cube, vous voyez que je ne le retrouve pas. Maintenant, si je veux, je dois tracer mon mur de sous-bassement, mon mur d'à côté avec cage d'escalier. Donc, qu'est-ce que je fais? Étant ici, je veux voir le pourtour de mon mur. Généralement, je peux, étant ici, je peux sélectionner les murs. Je maintiens contrôle. 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 Les murs extérieurs, les murs extérieurs, les murs extérieurs. Donc, je maintiens contrôle.
Je maintiens. Bon, il doit avoir un mur ici, mais c'est pas un problème. Soit, ici, vous comprenez, je maintiens contrôle, contrôle, contrôle. Voilà. Donc, je maintiens ce cas. Après, on va l'ajouter. Donc, qu'est-ce que je fais? Bon, je vais l'amener ici et à rapprocher. Donc, je maintiens contrôle. J'ai dit contrôle. Je vais aller dans copier. Copier dans presse papier et je vais dans vue alignée et je vais copier ça sur Educule. Donc je dis OK. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà. Il va dire que impossible de placer insertion dehors des hôtes. Ces éléments ne seront pas copiés. Pourquoi? Ah, OK. On va voir. Maintenant, au niveau de l'étage, il faut voir les différents niveaux. Donc, au niveau de l'étage, j'ai dit 3,20. Le mur qui est là fait 3,20. 3,40, disons. Le mur qui est là, je lui ai donné combien? Ici, c'est 3,40 encore. Donc, c'est bon. 3,40, 3,40. J'ai respecté. Ici, on a 3,40. Ici aussi, j'ai maintenu les 3,40. Donc, je vais aller du fil. Mais quand je viens à l'éduquer, je clique ici, je supprime les fenêtres. Voilà, je supprime mes fenêtres. Donc, je vais voir que plutôt si ça marche, je sélectionne ce autre. Donc, vous voyez, ça ne passe pas. Avec H4, quand je clique sur porte, par exemple, quand je clique CTRL A sur CTRL les portes, il va. Normalement, il peut me permettre de. Il permet pas ça. Je clique droite. J'ai dit sélection toutes les occurrences dans la vue. C'est cette vue-là. Pas dans l'ensemble du projet ici seulement. Donc, vous voyez que ça ne passe pas. Je vais les supprimer individuellement. Et voilà. Je vais supprimer ça individuellement. C'est pas grave, hein? Okay. Vous apprenez. Donc ici, je vais faire un rapport. Je vais rapporter celui-là, celui-là. Je vais rapporter celui-là. Je vais prolonger. Donc je vais amener ça. Et ici, non, attendez. Attendez. Je vais faire un rapport. Celui-là, celui-là. Donc je vais prolonger. Bon, je vais lui dire de s'aligner. Ici, je donc, et je vais scinder. Je vais commencer à scinder. Je vais commencer à scinder. Scinder. Celui-là aussi, scindé, je ici, tac. Donc c'est des rapports quoi. Ici, je vais déplacer celui-là de 1 mètre. Les murs d'ambiance et chevauche, c'est-à-dire à l'aide de petits déplacés, petits déjeuners. On va ça. On va ça. Pardon.
Donc, c'est bon. On va enlever ça. Donc, on va copier à l'identique. Copier à l'identique. On va voir si. Donc, on va enlever ça. Qu'est-ce qui va se passer? On va scinder celui-là aussi. Va scinder celui-là aussi. Voilà. On va déplacer celui-là de 1 mètre. Oui, celui-là, c'est celui-là. Oui, c'est pas un problème. Va celui-là. Donc, on va maintenant autoriser. Souvent, refuse une action de personne. Non, ça ne va pas. S'il ne prend pas, on va essayer de. Souvent, le mur là, c'est de. Là, on va. Même ça, c'est pas normal. C'est ça. Voilà, c'est bon. Donc, on va s'aimer celui-là aussi. Donc, on est à 17 minutes, c'est bon. On va les dire et s'aligner à ce point. Donc, sur la suite de refuge, je prends par l'aile. Je vais dire de s'aligner. Ah, interdiction. Je vais l'interdire. Interdiction des jonctions. Donc, quand je vais l'interdire, il va se soumettre. Voilà. Donc, vous voyez maintenant, je prends ce mur-là qui a une hauteur de 4,20. Maintenant, tous les autres murs-là, je sélectionne tous les autres murs. Voilà. Donc, je sélectionne tous les autres murs qui ont une contrainte de 1,20. 1,20. Donc, vous voyez. Et quand je vais en 3D, automatiquement, vous voyez. Ça, là, ça va poser. Donc, c'est bon, comme ça. On peut mettre un bâton ici. Ça va beaucoup. Ici aussi. Ce poteau-là. Ah, les murs n'ont pas été coupés, quoi. Il faut comprendre comme ça. Les murs d'ici, là, n'ont pas été coupés. Donc, mais ce n'est pas un problème. Voilà. Dans notre organisation, donc si vous voulez, on peut aller en 3D, on peut commencer à placer le maillage, c'est-à-dire on va faire le remblai. Donc maintenant, comment faire le remblai? Il faut comprendre ça. Le remblai, je vais commencer à remplir d'abord l'intérieur. Maintenant, je vais au niveau du soissement. Maintenant, dans Archicad,
Vous avez l'outil maillage pour faire le remblai, le banco qu'on va chercher, les agrégats qu'on va chercher pour remplir une surface, un déblai, une surface. Donc, mais cherchez une chose que quand vous êtes dans Archicad, mettez-vous en tête que c'est la même chose aussi dans Revit. Les choses se passent de la même manière aussi. Et voilà, il faut corriger ça. 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 Voilà. Donc, on va essayer de remplir le remblai. On va faire le remblai. Mais avec quelle matière nous allons utiliser le remblai? Vous avez dans Revit, vous pouvez utiliser l'outil dalle pour faire votre remblai. Comme vous pouvez utiliser l'outil forme pour utiliser comme remblai. Et l'outil forme dans Revit, c'est in situ. C'est comme vous pouvez créer n'importe quel outil, c'est un chingon qui est là. Donc vous utilisez. Donc vous pouvez utiliser en même temps l'outil sol pour faire votre remblai. Donc vous avez le choix. Soit on utilise l'outil sol pour faire le remblai, soit on utilise la dalle pour faire le remblai, soit on utilise comment dirais-je, l'outil forme pour faire votre remblai. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a plusieurs manières, comme j'ai à vous le dire. Bon, ces manières-là, c'est à vous, c'est votre choix. C'est comme dans Archicad. Dans Archicad, normalement, l'outil maillage est là pour faire, c'est le sol. Donc, il faut utiliser l'outil maillage pour faire le remblai. Maintenant, puisque, je vous ai dit dans les vidéos précédentes d'Archicad, là, pourquoi utiliser l'outil maillage? L'outil maillage a été adapté. Elle est là pour ça, pour faire le remblai. Donc, parce qu'il y a de ces données-là, il y a de ces, la forme géométrique, il peut y avoir l'inégalité qui reste là, il peut y avoir des pentes, mais avec l'outil Maya, quand vous utilisez l'outil Maya, vous avez facilement utilisé les pentes. Mais avec l'outil dalle, vous n'allez pas avoir trop de pentes là-bas, il faut commenter. Mais avec l'outil dalle et l'outil Maya, il faut bien utiliser. Il y a des options qui sont actives, des icônes qui sont activées pour monter ou descendre, ainsi de suite, pour former la pente facilement. Mais avec la dalle, ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça que l'outil maillage est utilisé pour faire ça. Maintenant, dans Revit, vous pouvez utiliser l'outil forme, qui est l'outil in-situ. Vous pouvez utiliser encore l'outil sol, ou bien vous pouvez utiliser la dalle. Cela veut dire que vous êtes libre, quoi. Vous êtes libre. Je peux utiliser le sol. Donc, ici, quand je suis dans l'architecture, l'affichage d'icônes et architecture, j'utilise les données d'architecture seulement. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, vous avez le choix. Mais nous allons utiliser notre outil. Bon, pour un départ, on va utiliser l'outil sol parce qu'on n'a pas de pente ni rien. Donc, on va utiliser l'outil dalle. Ou bien l'outil sol, ça dépend de vous-même. Donc, à vous de voir ce que vous voulez, le sol par face. Donc, je peux utiliser la dalle. Quand j'utilise la dalle, une fois que vous utilisez, vous cliquez sur la dalle, vous allez tracer. Dans Archicad, vous allez cliquer entre les côtés, non? Donc, mais dans Archicad, il utilise les bords de vous allez dire, sélectionnez les contours. Donc, ça c'est déjà activé. Vous pouvez venir. Attendez, on va annuler. Et je voulais annuler. Donc, quand je suis dans outil dalle, sol, on a dit dalle, architecture. Donc, je peux dire de cliquer sur les contours. Voilà. Donc, je vais cliquer point par point. Voilà. Donc, vous voyez, je clique point par point. Voilà. Donc, ça c'est libre quoi, mais il faut être sur la même ligne que là où vous devrez placer quoi. Donc c'est comme ça. Donc je clique par les angles concernés. Donc je viens ici,
Voilà, donc je vais pas rentrer dans le garage, quoi. Donc le garage est à part. Donc je clique point par point. Voilà, donc quand je viens ici, automatiquement il a créé. Maintenant, l'épaisseur. Vous vous rappelez, l'épaisseur de notre mur de fondation, c'est 45. Donc je vais lui donner la limite, la hauteur. La hauteur, je vais lui dire, c'est 0,45. Voyez, donc, et je dis OK. Donc, quand je vais en 3D, on va voir. Voyez, on a créé notre épaisseur qui fait 45. Donc, ici, on peut prendre, si c'est 45, 0,45. Donc, 0,45, voilà. Vous pouvez aller modifier épaisseur 25. Lui, il a donné 25. Je peux dire modifier. Donc, mais avant de modifier, il faut cliquer. Je vais dire maillage. Okay? Quand je dis maillage, donc je vais modifier et je vais introduire mes 45 là. Ici. Je dis OK. Même ici, je peux utiliser matériaux. On a mis du béton. Bon, moi, je ne vais pas utiliser du béton. Je vais utiliser un carreau. Donc, s'il n'y a pas de carreau, tant mieux. Vous utilisez votre carreau, je peux le plafond, ainsi de suite. Mais moi, je ne veux pas tout et ça, quoi. Je peux dire OK et maillage. OK. Voilà, vous voyez maintenant les 45 là sont. Est-ce que vous voyez? Donc, l'outil 45, ça remplit notre dalle. Donc ici, maintenant je vais venir dans peindre. Voilà. Je vais venir dans je vais peindre. Il va me montrer. Je vais prendre par exemple carreau. Je prends ici la pluie. Voilà. Donc vous voyez. Mais c'est un peu trop moche, c'est pas trop ce que ça va. Voilà, mais on va utiliser comme ça pour que. Voilà, mais même quand je viens ici, quand je dis réalise, allez voir ce que ça va donner. Voilà, donc vous avez le carreau. Normalement, ça c'est plafond quoi. Donc, mais vous comprenez. Bon, donc après, on va essayer de corriger. Ça va. Donc généralement il faut la peinture qui est là là, il faut l'attribuer, il faut la même couleur que le carreau. C'est ce que moi je fais dans Architecture. Donc on va mettre une autre dalle en haut, notre on va venir au niveau d'ici. Bon, il met ça ici, mais en réalité je peux venir ici, je peux mettre ici. Je vais utiliser mon carreau dit maillage. Donc, je peux utiliser maillage. Est-ce que vous avez compris? Donc, on va utiliser. Je vais ici. Donc, si, pour ce cas, on va utiliser. Bon, je ne sais même plus quoi dire. Donc, on va. Est-ce qu'on ne va pas utiliser dans lui? On va utiliser. Donc, on va venir au niveau d'ici. On va cliquer les contours. Bon, donc, j'avais sélectionné ça. Je vais activer ça. Vous allez voir. Clique sur le bord bleu. Ok. Je clique choisir les lignes. Je ne sais pas. Sélectionner pour ligne. Et je vais cliquer sur choisir les lignes. Voilà. Donc, ça, ce problème, c'est qu'il y a toujours deux travails ici, deux réactions que vous allez faire. Donc, vous voyez que c'est sur cette ligne. Après, je vais raccorder. Il ne va pas qu'il faut pas qu'il aille là-bas. Donc, ici, après, il doit avoir une dalle. Voilà. Après, on va corriger ça. Normalement, ça.
Quand vous finissez, c'est pas fini, donc il faut raccorder. Ce temps-là, et ce que vous voyez, je vais le détacher. Donc vous voyez, c'est bien raccordé. Donc il va toujours peut-être me dire que les angles ne sont pas. Donc si vous faites un rapport à ce point, donc c'est un rapport à ce point. Donc il y a un rapport à ce point. Et ce point, à ce point, après on va trouver ici, ici, là, là. Vous voyez que ça c'est un peu plus. Et c'est pas fini. Hein. Après, je vais venir mettre l'outil ligne. Ici, je vais m'écarter de comme de 1 mètre. De 1 mètre. Voilà, je vais venir ici. Je vais venir, voilà, on va mettre ici. Ok? Là, donc, quand je vais mettre, je vais dire de ce temps, ce point, de là à là, de là à là, donc, et je vais dire de supprimer celui-là. Voilà, donc, vous voyez, donc, je vais raccorder ici. Voilà, donc, vous voyez maintenant. Maintenant, ici, je vais enlever. Voilà. C'est bon. Et je vais dire OK. Donc, il va me dire quitter l'esquisse. Ah, continuer. Je vais supprimer celui-là. Voilà. Donc, c'est corrigé. Et maintenant, quand je vais faire comme ça, vous allez voir que je n'arrive pas à avoir à. La dalle, quoi. Donc, je vais me mettre ici l'outil dalle en 3D, par exemple. Et voici. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je me mets ici pour pouvoir sélectionner ma dalle. Donc, vous voyez, la dalle, il est là. Elle est là. Alors qu'on doit. On a notre remblai. On a notre dalle. Donc, je sélectionne. Décalage ici c'est 3,40. Donc ça monte en haut. Vous voyez, voilà 3,40. Nous avons notre dalle ici. Maintenant, on va aller en rez-de-chaussée. Ça, c'est l'outil plafond, quoi. Donc, oui, c'est l'outil plafond, c'est la même chose. Ok, voilà. Maintenant, on va dans l'édicule. On va mettre notre. On va contrôler S. Donc, on va utiliser notre dalle encore. Petite dalle sur. Donc, on peut dire de choisir. Les lignes, je viens ici, je souligne ces lignes. Voilà. Voilà, donc on continue. On va raccorder. Il ne faut pas oublier de raccorder les éléments qui n'ont pas été raccordés. Sinon, il va dire que c'est impossible. C'est ce message-là qui s'affiche. Ici aussi, on va raccorder. Donc, vous voyez l'intérieur, on tout est fermé. Donc, on va dire. Donc, voilà, vous voyez, il déclare toujours qu'il y a continué. Voilà. Et on va dire OK. Et il y a un autre point aussi qui est dans la bête.
On va dire qu'on ne faut pas discuter. Est-ce que c'est un don ici? Tac. Et c'est fini. Donc ici, on va monter de. Voilà. Donc, quand je laisse, quand je viens, je vais prendre shift. Voilà, je clique. Donc, c'est sélectionné ici aussi, c'est pareil à 3,40. Vous voyez maintenant ce qui se passe. Donc, il doit pas être à 3,40, mais à plus qu'à plutôt à 0. Voilà. Oui. OK. Ici, on va mettre peinture. On va peindre. Donc, ici. Oui. C'est bon, hein? Voilà. On va faire merci qui m'a étonné. C'est bon. Donc, vous voyez, c'est maintenant on va placer le mur qui est là. Copier à l'identique. On va voir si ça marche. Et je devrais être au niveau de l'étage. Donc, je viens ici. Ok, ça c'est pas un problème. Donc je vais dire copier à l'identique. Donc je le prends, je dis déplacer, je l'amène. Ok, ça. Donc, ce mur-là, ce mur, voilà, je vais lui donner contrainte, c'est 0,35 généralement. On va raccorder ces deux. Ici, on importe ici. Même ce que je veux. Mais le problème est que ma dalle là, je l'ai mis un peu à l'intérieur. Donc, et je peux le faire descendre 0,20. Tu vois, ça. Je vais faire descendre un seul moment.
décalage inférieur. Je mets moyen. C'est pas c'est comme ça. Ouais. Et je vais mettre le balcon ici. Maintenant, on va placer notre balcon. Ouais. C'est ce que je veux. Et ici, un autre mur ici. On va en détail. Ici, on doit avoir un mur. Donc, on va dire qu'il faut qu'il y ait un mur. Si on s'arrête, je m'arrête à ce point. Je m'arrête ici et je vais en 3D. Donc, vous voyez le mur. Donc, je vais lui donner la roue. Soit je vais dire de. Voilà. Donc, ce mur. On va le faire monter, décalage inférieur. Décalage inférieur. C'est que ça va être. Donc, c'était 2,55 m. Voilà. C'était 2,55 m. 2,55 m. Et la hauteur du mur, c'est 2,90 €. Je ne sais pas si vous vous rappelez pas là. Donc, lui, il va subir les mêmes propriétés que celui-là. Que celui-ci. Donc, ouais, c'est ça que je veux faire. Voilà, il est 40 minutes. On va arrêter la vidéo. Bon, on va placer notre garde-corps et on va arrêter. Okay. Donc, ici, ces deux-là, on va dire que c'est rapporté. Donc, si même si je veux, je peux enlever ça et je veux dire que ces deux suffisent pour faire un bon rapport. Et après, je vais faire sortir un mur. Donc, quand je vais venir au rez-de-chaussée, je viens au rez-de-chaussée, je vais prendre Intuiti, je vais dans Architecture Composant, je vais mettre Intuiti, un mur, et bon, je vais choisir quelque chose, mur. C'est un couteau. Je vais prendre le couteau. Voilà. Je vais définir le plan, bon, plan actuel comme cette famille est idéale. J'ai pas compris, non. En éditer, en finir, bon, définir le plan, et des chaussées, ouais, c'est bon, c'est ça. Et je vais dire extension, donc, c'est à partir de là. Et là, ce point, je vais mettre une balance, tac, et je vais raccorder ce point-là. Voilà, donc je vais OK, finir la condition.
fait la création. Donc, lui, sa hauteur, il va jusqu'au niveau de 1 pouce 2. Tu vois, donc, il est là. Étant ici, je peux l'étirer, étant ici, je peux l'étirer jusqu'ici, jusqu'à ce point. Donc, vous voyez. Mais tel n'est pas mon cas. Je veux lui dire d'aller jusqu'où je le choisis ici. Je veux lui dire d'aller jusqu'à un cercle, jusqu'au niveau de l'étage, quoi. Donc, je vais en délire. Je vois. Donc, il est là. S'il ne me donne pas la possibilité de se déplacer, vous voyez, il s'est déplacé, je peux désactiver, activer, le don. S'il ne me permet pas d'aller jusqu'à un certain niveau, donc je vais le laisser et je vais en 3D. Donc je vais le tirer jusqu'ici. Voilà. Ici, c'est là. Voilà. Voilà, ici. Donc vous voyez, c'est ce que je veux faire. Ok. Donc je peux même le déplacer de 1 mètre. C'était à combien d'avant? C'était à 2 mètres. Donc je vais en 3D. Voilà, mon souhait est de jusqu'à ce point. Voilà, c'est ce qu'il fait. Il est vite aussi. Ce mur-là, quand je pouvais étirer et l'amener par là, pour qu'il ne soit pas connecté à lui. Donc, si je veux, je peux le faire continuer jusqu'à un certain niveau de monter. Je peux le faire monter jusqu'à ce point. Donc, et je vais placer la dalle tout de suite. Voilà. Donc, vous comprenez mieux maintenant ce qui est l'implémentation. Donc, c'est comme ça. Donc, je vais mettre du vitrage au niveau du balcon. Donc, je vais au niveau des lames et je vais dans outils architecture, outils garde-corps. Donc, vous voyez, outils garde-corps, je mets par défaut d'abord. Ok, je mets ça ici. Et ici, le premier. Bon, je n'ai pas besoin de définir le plan. Je dis ok. Donc, je vais en parler. Vous allez voir ce qu'il y a. Voilà. Donc, on ne se tracasse pas trop. Il faut essayer de décalage supérieur, décalage supérieur. C'était vrai. Donc j'ai mis ce balcon. Oui, c'est ça. On va mettre un autre balcon. Pour savoir l'utiliser. Je n'ai pas besoin d'équipe là. Je vais réaliser le. Je viens ici. Je devrais être. Copier à l'identique. C'est bon que j'ai pris. Voilà. Mais celui qui veut, je peux prendre mon outil et je vais dans propriété. Je vais copier. Je mets garde-corps en vert.
faire. Donc, je dis OK. Donc, c'est ici où je peux rentrer, faire des structures, des traverses, et je peux utiliser tout ce dont je mets. On va laisser ça pour la vidéo prochaine. Comment régler les. Comment aborder les panneaux, les barreaux, ainsi de suite. On va tout régler, mais on va aller simplement que possible. Donc, comme ça. Donc, quand je rentre dans. Pour aider dans les dimensions qui sont là, pour manipuler. Donc, on va arrêter la vidéo là ici. On va dire OK, donc, modifier. C'est simple, voilà, donc lui il est tout en donc, c'est pas grave, après on va mettre encore en bas. C'est comme ça. Donc, contrôle. On va arrêter là. Merci. Et à la vidéo prochaine. Merci.